Bonjour tout le monde, konbanwa minasan, genki desu ka? Est-ce que vous êtes en forme? Dès que vous entendez Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que l'on m'entend? Genki? Ah, yokata, yokata. Alors attention, le retour de la perruque bleue. Le retour, oui. Et Sasuke, bien évidemment, merci Mayu, merci. J'apprécie énormément. Comment ça va tout le monde? Vous êtes en forme? Comment tirer un caleçon en japonais? Alors, comment dire canard? Oui, mais non. Oui, mais non. Comment ça va tout le monde, dites-moi? Et canard qui pop comme ça et qui lance un défi origami. Mais bien sûr. Alors, canard, tu es plutôt sur les bleus, verts. Allez, on va faire un bleu, ça fait longtemps. Petit papier bleu. On commence comme ça, là? Genre, ça y est, le début de semaine, il... Comme ça? C'est ça, bonjour? comment ça va, tout le monde? Dites-moi, est-ce que votre week-end s'est bien passé? Est-ce que votre début de semaine s'est bien passé? Je vois qu'il y a plein de nouveaux, notamment Juana... Vrai, Horaria, Sakura, merci beaucoup d'être présent. À savoir que là, c'est la première fois que vous écrivez dans le chat. Bienvenue à vous. Vous venez d'où? Dites-moi les nouveaux, vous venez d'où? Et merci du coup pour vos follow, forcément. Et là, il y a VTube, Arc et Canard qui ont follow pendant la petite musique d'attente. Followして くれて. Arigato gozaimasu. Kono chan de yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Après la fête d'anniversaire de ce week-end, il faut bien ça. Maso dessiné, exactement. Tu es toujours avec les cadeaux d'anniversaire. Alors du coup, Kalminur, j'ai juste pas eu le temps de mettre à jour. Mais oui, non, les sub-goals, du coup, il faut que j'arrête. Alors, vous savez quoi, on va faire ça. Comme d'habitude, petit papotage, voilà, terminer l'objectif. Et le prochain goal, c'est un goal à 25... sub et on fera tout simplement un live de je sais pas trop combien de temps mais qui me permettra tout simplement de vous montrer mon voyage au Japon en faisant l'album photo. Ça fait depuis que je suis rentrée en France que j'ai pas eu le temps de faire mon album photo de mon année au Japon et je me suis dit que le faire en live avec vous ça serait plus sympathique. Donc voilà, album photo voyage au Japon et ça me permettra par la même occasion et bien tout simplement de vous raconter un petit peu tout ce que j'ai fait pendant cette année. Je pense que on fera soit un très gros live soit plusieurs petits lives, je sais pas encore, mais bon, on a encore le temps. 25 subs sur cette chaîne, ça prend quelques semaines. Coucou tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir Gomen, j'étais pas devant les grands, pas de soucis. Tiri, je peux t'appeler Tiri-san. Tiri Aeru, c'est un peu long. Dekimasuka. Comment on dit en Guadeloupe? Guadeloupe, kamo? Ça doit être Guadeloupe, hein, en katakana. On va aller checker ça tout de suite. La Guadeloupe, c'est Guadeloupe. Il n'y avait pas de petite sous, c'est un allongement. Je vous l'envoie dans le chat. Et bien le bonsoir et bien le bonjour à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et aux anciens aussi, on les oublie pas. Comment vas-tu Aldarion et Aeras, comment allez-vous? D'où venez-vous? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Alors, ma souris est en train de rendre l'âme alors que je viens à peine de l'acheter. Elle capte pas trop les ondes, vous voyez? Et du coup, je bouge la souris, mais la souris, elle bouge pas. Comment ça va? Titi-san. On va faire sur Titi-san alors, parfait. Et de Discord. Ok, écoute, bienvenue. J'espère que tu te plairas, que vous allez tous vous plaire, les nouveaux sur cette chaîne. Aujourd'hui, on fait un live sur la suite des katakana. Donc là, la semaine dernière, on a repris les lives kana. Et on a fait les trois premières lignes pour le moment. Du coup, là, on va faire les trois suivantes. Et la semaine prochaine, on finira le tableau des sons de base, sons simples et sons dérivés, pour continuer avec les sons composés et toutes les règles de voyelles longues et consonnes doubles. On en a encore pour 4 streams, du coup, en comptant celui-là.
Au minimum, au minimum. J'ai finalement réussi à créer un compte Twitch. Ah, trop bien! Yokata! Yokata, yokata! Il faut pas avoir peur de venir sur Twitch et puis de voir ce qui s'y passe. Des fois, déjà, il y a une bonne ambiance, contrairement à des cours qu'on peut avoir à la fac. Et deuxièmement, c'est gratuit! et quand même, c'est pas mal, hein. Pas mal, merci. Je suis en Vendée, c'est ça? Lot-et-Garonne. Oh, mais il y en a de toute la France. Coucou Emma, comment tu vas? Moi, j'ai atterri ici suite à une suggestion d'Insta et j'y reste avec plaisir. Oh, mais c'est trop bien. Merci Insta. Ah non, yamete kudasai, yamete kudasai te. Ma yame... Guzu-san wa yamete kudasai no ho ne. Choto banu ni shimashou ka. Tja, bye bye, bye bye Guzman-san. Bye bye, bye bye, si ma souris veut bien. Bye bye. Bye bye. C'est quoi gratuit? C'est un mot japonais, je connais pas. Gratui. Muryo, hein, en japonais, muryo. Ou tada, tada des. C'est gratuit. Et il faut en profiter quand c'est gratuit. À volonté. Tabe hodai. Ah non, shi hodai. Benkyo hodai. Hodai, hein, c'est genre à volonté. Et souvent au Japon, c'est tabe hodai, donc tabe de manger, hein, tabe-le, manger à volonté, ou nomi hodai, boire à volonté. Bah là, on va inventer le benkyo hodai, étudier à volonté. Je connais que jusque le voyelle en T, des voyelles à T. Ce qu'on va voir aujourd'hui arrive plus tard. Tu parles des hiragana pour le moment, luxe, c'est ça? Ah, mais il y a plein de gens de Lot-et-Garonne, dis donc. Est-ce que j'y suis allée en Lot-et-Garonne? Gosto, je suis déjà allée en Lot-et-Garonne. Je vous avoue que ma géographie et moi, ça fait un milliard. Et quand je pense qu'un endroit, c'est là, bah, c'est pas vraiment là. Du coup, j'évite de dire les choses et je demande à Gosto qui a une meilleure géographie. Tu as fait le Lot qui est juste à côté. Ah oui, le Lot, on est d'accord. Ça, je savais, mais Lot-et-Garonne... C'est à la droite de Bordeaux. Ok, bon, bah alors c'est sûr, j'y suis jamais allée. Ichini-san, nya, arigato ne. Masone, san. Ça me fait plaisir de voir toujours en forme, c'est super. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le petit benkyo, justement? Comment je pourrais dire ça? Une petite étude de cette fin de journée pour les katakana. Ah oui, du coup, Lux, pour l'instant, nous on fait le deuxième. Que t'apprendras par la suite, hein. Tu peux prendre peut-être un peu d'avance si tu veux, mais je te conseille quand même de faire plus les hiragana jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur, et après seulement les katakana. À savoir que dans 4 cours, on aura fait tous les katakana, et qu'après il y a un nouveau concept que je garde secret pour le moment qui va pop sur ce créneau là et qui concernera encore les kana. Donc on sera là pendant encore un certain temps le lundi soir à travailler les kana de manière générale. Je suis prêt pour le bento. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Non, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Avec Gosto, on n'a pas encore parlé de quand est-ce qu'on allait mettre en place les lives cuisine, parce que ça dépend beaucoup forcément du planning de Gosto. Mais peut-être que le dimanche, c'est le seul jour où, c'est sûr, Gosto travaille pas, donc peut-être le dimanche soir, je sais pas. Mais c'est pas grave. À la limite, ouais, le dimanche soir, comme ça, on prépare le casse-croûte du midi, du lundi midi. Mais on n'en a pas encore réfléchi. Enfin, on a un peu réfléchi, mais on n'en a pas encore discuté. Faut que j'apprenne à parler français, moi. Gambalo, gambalo, minasan, gambalo. Ah, ne t'inquiète pas, Lux, prends le temps qu'il faut. Et dans tous les cas, à un moment donné, on revoit les hiragana dans pas si longtemps que ça. Donc, à un moment donné, on sera heureux dans les révisions que toi, tu es en train de faire. Coucou, Yanisan, comment tu vas? Bonsoir, 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 bonsoir. Du poulet karage. Ah, oishi ne. C'est bon, le poulet karage. Tabetai, non? Vous m'avez donné faim. C'est pas nice. Je sais même pas ce qu'on mange ce soir. Gosto, on mange quoi ce soir? On avait fait la liste, mais je sais pas ce qu'on va faire. Attendez, on avait dit quoi? Alors, on a le choix. Soit des gnocchis avec des haricots et de la viande. Soit le risotto au poulet, mais je crois qu'on n'avait pas les champis. Du coup, ça va faire gnocchis. On mange des gnocchis ce soir. Non, pas des lentilles. C'est pas bon, les lentilles.
Bou. En ce qui me concerne, je connais les kanas. Ça fera une bonne révision et je suis sur les kanji. Ah, et j'en suis. Mais ça rentre quand même gambatte, Titi-san. Je t'envoie de la force pour pouvoir y arriver. On fait des lives de kanji aussi le mardi, justement. Donc si tu galères et que tu as besoin de révision, eh bien, tu seras le bienvenu le mardi, jour des kanji. Non, il dit que des plats que j'aime pas, il est pas gentil. Hein. Alors, il est vraiment pas gentil. Hein. C'est pas le sujet de la chaîne. je vous fais des bisous, je vais bosser. Oh, tu vas bosser quoi, Maïe? Tu vas faire des crayons? Tu vas faire du japonais? Je suis curieuse. Mais arrête, il est... il m'embête. Je vais le ban. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Regardons ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors... je suis pas sur la bonne diapo. Bien joué, ça, Kandy, bien joué. J'ai pas goûté masse de boue japonaise en vrai, j'y goûterais volontiers, mais je sais pas trop ce qu'il y a dedans à chaque fois. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention en fonction de ce que tu peux ou ne peux pas manger. Hein. Je vais regarder ma formation de création gestion d'entreprise. Ah, gambatte, Mayo-san! Les gens, on envoie des cœurs, on envoie des labou-labou dans le chat pour donner de la force à Mayo. C'est pas évident, ce genre de choses, du coup. Gambatte, né, gambatte. Gambatte, gambatte. Moi, je fais des croque-monsieur ce soir. Pas très japonais, mais ça se mange tout ça. Ah, les croque-monsieur. Moi, j'aime bien les croque-madame aussi. Croque-madame avec la béchamel aussi. C'est pas mal, ça. C'est pas... Comme les Kinder, c'est la surprise. Bah, exactement. Mais j'ai fait un critérium ce matin et cet après-midi, c'était des tests de la graveur laser. Oh, Mayu, j'ai le droit à des photos, je peux voir. Je suis curieuse. Merci beaucoup, Diable Bleu, pour ton follow. Follow, je te connais. Arigato gozaimasu, kono channel. Yokoso, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens, comment as-tu trouvé cette chaîne. Le chat est tout à toi. Évidemment. Oh, sake wa nai desu ne. Mizu mo nai desu ne. Shoshou omachi kudasai. Je vais aller chercher de l'eau parce que je n'ai pas prévu. Comme d'habitude, je reviens tout de suite. Attention, je vous pose délicatement pour pas vous défoncer les tapons. Je reviens. Voilà, voilà. Et du coup, Sutoni-san, je bois ta santé. Kanpai tout le monde. J'adore le japonais. Et bien, comme dit Fantôme, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Je t'enverrai ça, Kandy-kun. Kandy-kun. Kun, t'es. Nanka, mon. Kore wa ne, ohime-sama mitai na no ni ne. Kunte, bon, ne. Quelque chose me dit... Bon, yonda ne. Le souci en France, c'est que les restos japonais ne sont pas tenus par des japonais. Du moins, pour beaucoup. Ouais, les restos japonais un peu bas de gamme ou un peu style buffet à volonté, c'est jamais des japonais. Il faut aller sur des restos qui coûtent pas forcément plus cher, mais un peu plus cher. Et tendre l'oreille. Si vous avez l'habitude d'entendre du japonais, un peu écouter en cuisine ce qui se passe pour savoir. À Lille, j'en ai des très bons à vous recommander dans le nord de la France. À Paris, il y en a des très bien aussi. Pour le reste de la France, malheureusement, j'ai encore jamais rien testé. Oula la glissade. Coucou Judai, comment tu vas? Genki desu ka? Il y a des Français qui font de la très bonne cuisine japonaise. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est de la cuisine, hein. À partir du moment où on sait cuisiner, qu'on a pris des cours pour ça et qu'on a un diplôme qui nous permet de faire de la cuisine japonaise, et ben c'est tout aussi bon qu'au Japon, voire peut-être meilleur des fois. Il y a des Japonais au Japon, forcément, qui tiennent des restaurants mais qui n'ont peut-être pas de formation, enfin, vous voyez ce que je veux dire, professionnel, amateur, tout tralala. Ça ne veut rien dire. Mais je vous comprends dans le sens où, oui, quand c'est un restaurant japonais qui est tenu par des
chinois qui parlent chinois entre eux. On a de quoi se poser des questions, mais ça peut être une bonne surprise parfois, on sait jamais. Trop réactif, merci beaucoup. Ma sonne. Déjà en France c'est la galère, alors en Belgique je n'y pense même pas. Tu dois avoir surtout à la capitale luxe des trucs sympas. Franchement je pense. Le Japon c'est pas juste en France où c'est la hype, c'est un peu partout. Donc tu devrais trouver sur internet des petites pépites, des petites perles rares avec des cuisiniers top. Je pense. J'étais dans un resto que je pensais vraiment japonais. J'ai demandé s'il faisait du sukiyaki. Il ne savait pas ce que c'était, ça m'a gâché mon repas. Ah, so, wakaru ne, tashikani. Après, ils ne connaissent pas tous les plats, hein. Généralement, ils connaissent ceux les plus populaires, les ramen, sushi, okonomiyaki, et puis peut-être qu'ils n'ont même pas été au Japon, donc... Masone. Coucou Marwena, comment tu vas? Konbawa. Bon, on est des pipelettes, nous, là, un petit peu, non? On a commencé à parler cuisine parce que je savais pas ce qu'on mangeait ce soir. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour bosser un peu les katakana? Dites-moi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez pris votre petit papier, votre petit crayon? Si c'est le cas, mettez-moi des clap-clap dans le chat. Après, les cuisines dans les apparts au Japon, c'est tellement petit pour se cuisiner. C'est pas évident. Bah, ça, on est. Après, ils ont l'expérience. Hein. Et puis, quand ils ouvrent un resto, les cuisines sont pas aussi petites, hein, généralement. J'ai même pas raté le début. Bah oui, on a papoté, voilà. On a papoté cuisine, un petit peu. Il y a Titi-san qui nous a lancé sur le débat des restos japonais, pas japonais. Ah, sukiyaki wa oishi ne. J'ai le plaisir d'en manger fait par des vrais japonais à une réunion franco-japonaise, un régal. Bah, oishi ne, oishi. C'est comme, moi j'adore, c'est les katsudon. Qu'est-ce que ça manque, un bon katsudon là. Ou un kare katsudon. Oh, juste katsudon de manière générale. J'adore ça. Ça me manque beaucoup aussi, donc je comprends ton envie de manger des plats un peu authentiques. Mais est-ce qu'il y a des restaurants halal au Japon? Oui, il y en a. Oui. Alors, il y a un site qui existe, une application, et même il me semble, je n'ai pas retenu le nom. Mais si tu regardes restaurant halal Japon, tu vas vite tomber sur ce site-là qui répertorie vraiment tous les restaurants où tu peux manger halal. Et de toute manière, tu as un logo là-bas qui se reconnaît assez facilement. Moi, je n'y ai pas prêté attention parce que je ne mange pas halal, forcément. Des gens ont pensé à ça. Et sur Internet, tu devrais rapidement trouver le site ou l'application que j'ai en tête, tout simplement. Bon, il y a des petits clap-clap-clap, là. Donc, comme je vous disais... On va travailler les trois prochaines lignes. La ligne des T, la ligne des N et la ligne des H. Et comme vous pouvez le voir, pour les T, il y a un dérivé en D. Et pour les H, il y a un dérivé en B et P. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en apprenant trois lignes, eh ben, en fait, on va pouvoir en retenir 6. Le ratio est pas mal. Et pour vous entraîner aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà des bases en katakana, on va travailler le vocabulaire du sport. La semaine prochaine, on fera la nourriture, normalement. Mais voilà, cette semaine sera le sport. Et comme d'habitude, une fois qu'on aura vu les trois lignes, eh bien, vous aurez un exercice de lecture. Par contre, attention, dans les combinis, le hachette de bœuf est souvent coupé avec du porc. Oh, ça doit être compliqué, hein. Ça doit être compliqué au Japon. Surtout si on parle pas japonais, pour pouvoir vérifier, du coup, ce que vous mangez. Je compatis. Re, Lucas-san. Et les edamame, c'est là, je suis d'accord, j'adore ça, Kumo. Les edamame, genre, dès que j'en vois, j'en achète. Et c'est trop bon. Avec un peu de sel, là. Ou du kabocha, genre la courge japonaise, là. Oh, kabocha, edamame, c'est pépite. Si vous avez jamais goûté, n'hésitez pas. Foncez, comme légumes, c'est très très bon, très très bon. Ah bah, on est en avance dans le chat, la bouffe c'est la prochaine fois, c'est ça. Le destin n'a pas voulu que l'on travaille la bouffe aujourd'hui, pourtant on en parle beaucoup. C'est trop bon, mais oui c'est trop bon. Pourquoi je suis là à ton avis? Mané. Bon, est-ce que vous avez le temps d'aller chercher vos petits papiers du coup? Hop. Que je vérifie que tout soit en place. Ça m'a l'air ok. Est-ce qu'on commence? Pourquoi tu dis non, Kumo? Tu veux pas travailler aujourd'hui? Tu veux faire la grève?
Grève des canas. J'ai acheté des edamame grillés il n'y a pas longtemps dans une pétrie japonaise, trop sympa aussi. Et pauvre en glucides, mon cocolo de diabétique est content. Wakalune, wakalu. Oui, bah oui, et même, c'est Mayo, il m'avait dit où ça pique, hein, je crois, ils en font des surgelés qui sont pas chers. Et moi, je sais que je les achète souvent à grands frais. Pareil, vu que c'est assez léger, on peut en prendre beaucoup pour pas non plus sans trop se ruiner, on va dire. C'est pas donné, mais ça va encore. C'est vraiment juste milieu, un petit edamame, là, de temps en temps, ça fait pas de mal. Toute réponse négative est sanctionnée d'appât. Le mot de beaucoup trop sévère, beaucoup trop sévère. Oui, c'est ça. Hein. Du coup, il faut apprendre les caractères qui signifient le porc. Comme ça, si vous le voyez, c'est qu'il y en a. Et Buta Miko Desene. Coucou, Dave-san. Dave, il dit même pas bonjour à moi. Il dit bonjour à Fantôme. Genre, je sais pas comment je le prends. j'apprendrai bien tous les mots. Ah, gambatene. Moi, je vais en racheter fin du mois dans ma supérette asiatique. Masone. Sans. Bon, allez. Ça fait déjà 30 minutes que le live a commencé et on n'a pas commencé. On est déjà en retard. Et comme d'habitude, Kyowa nani chi desu ka? Vous y échappez pas. Ça y est, j'ai fait le diapo. On est quel jour aujourd'hui? Ceux qui ont déjà appris les dates en japonais. J'en profite pour faire le défi de canard. Je devais faire une rue en origami que j'ai totalement zappé parce que la bouffe, ça m'a attiré. Hein. Pas sponsorisé, c'est vrai. On n'est pas sponsor. Kambawa Kandi, plus fontanier. Sensei. Comment tu vas, Kiki-san? Kambawa. Ça se mange aussi, le canard. Bah, ça, on est. Alors, on est quelle date aujourd'hui? Ah, Pune, c'est ça, n'est pas là. Du coup, il n'y a personne qui se lance. Kyowana Nichideska, à savoir qu'on est du coup le 25. 25 avril. Oh, sensei, j'ai vous fait un gros câlin. Oh, bon, merci. Oh, bon, je préfère. Oh, bon, oui, hein. Genki des. Judai qui triche. Ça, c'est la trichance, non? 20 sur 20. Je veux rien savoir. Hé, fantôme, là. C'est quoi ce faillotage auprès de Judai? T'as quelque chose à m'annoncer, ça se passe comment? Aïe, aïe, aïe. Bon, très bien pour ceux qui ont répondu. En effet, hein, Shigatsu, on est en avril et on est le 25. C'est un jour régulier, plutôt facile. Nijugo Nichi. Eh ouais, Slider, bonne question. On est lundi. Comment on dit lundi, du coup, en japonais? Lundi wa nan desu ka? Donc, c'est Shigatsu Nijugo Nichi. Nijugo Nichi, c'est voilà, lecture basique, si je puis dire. Ine, fantôme. Ine. Getsu Yobi. Et du coup, attention, Aeras, c'est un O allongé. Getsu Yobi. Getsu Yobi. Getsu Yobi. Très bien, tout le monde. Très, très bien. Bon, ça me donne le temps qu'il faut pour finir la petite grue. Canard a donné de... ces points de chaîne, alors je dois le faire. Attendez, bientôt fini. En tout cas, elles étaient très belles, les grues que vous avez fait pendant le live anniversaire. C'était du bon boulot, tout le monde. De très bon boulot, même. Hop. Attendez, hein, je fais vite fait la grue et on va pouvoir comme ça commencer. Donc du coup, comme je vous disais, leçon numéro 2, les trois prochaines lignes. T, N et H. Mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts, s'il vous plaît. Dozo. Clap shite. Ah, sonne, Titi-san. Si t'as l'occasion, n'hésite pas à installer un clavier japonais. Surtout sur Twitch, ça sera beaucoup plus facile des fois quand tu veux donner les réponses. Tout du moins, ça te permettra de t'entraîner aussi à écrire avec un clavier QWERTY si tu es sur PC ou téléphone. Et voilà, la petite grue, elle est finie. Tadam! Voilà, canard, tu n'es peut-être plus là, mais j'ai honoré le défi. Ah, il y a des clap.
Nous sommes talentueux, nous, à ne pas douter. Je ne doute pas de vous, je sais que vous êtes les meilleurs. Y a genre même pas, on se pose même pas la question. Pas assez simple sur Windows, c'est dans les... Ah, c'est assez simple, pardon, sur Windows, c'est dans les paramètres, oui, hein. Canard est passé à la casserole. Il y a aussi des raccourcis sur Windows pour switch le de langue rapidement, exactement. J'ai essayé, mais ça fonctionne pas, à mon avis, j'ai merdé quelque part pour le clavier. Alors, si vous voulez, j'organiserai sur le Discord une petite activité clavier. Pour que tous ceux qui veulent installer leur clavier puissent avoir de l'aide de moi ou des autres personnes qui seront là et qui ont l'habitude de... qui savent installer un clavier sur téléphone ou quoi. Comme ça, on pourra tout de suite vous aider quand ça capote au niveau technologie. Je pense que je mettrai ça en place cette semaine. Je sais pas si tu as vu Sensei, mais j'ai fait la deuxième liste de kanji avec la traduction sur Quizlet pour s'entraîner aussi aux traductions. Et je trouve que ça aide mieux à la retenir de faire les deux listes ensemble. Ah bah GG, Kikisan, j'irai voir ça du coup. C'est quel déjà le raccourci? Moi je sais que je fais Windows espace. Windows espace et ça me change mon clavier. Ouais, moi c'est Windows espace. Pour changer. Ah ça on est. Eh ben on regardera la vidéo de Julia Fontanier sur le Discord du coup pour ceux qui en ont besoin. Hi hi hi. Tiens, hajime mashouka. Ça y est, il est 19h, on a bien papoté. Est-ce qu'on travaillerait pas un petit peu et en commençant du coup la première ligne d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous allez pouvoir voir le sens et l'ordre des traits à travers mon pas du tout magnifique tracé. Je vous encourage, si vous êtes en train de les apprendre ou si vous voulez les réviser, bah, de tracer plusieurs fois vos caractères. On va passer environ une petite minute hein, sur chaque caractère, même pas. Je vais vous montrer à chaque fois, et ça j'explique ça surtout pour les personnes qui viennent d'arriver, à chaque fois là où il faut faire attention, là il faut pas dépasser par exemple ou c'est un hané ou ce genre de choses sur les kanas de manière générale. Et donc pour commencer avec ta, on est sur un caractère en trois traits. Attendez, il n'a pas voulu. On recommence. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là. On a du coup deux traits qui vont dans le même sens, hein, si ça peut vous aider au niveau des proportions. Et ça ressemble presque à un coup, sauf qu'à ce coup, on va y rajouter une petite barre. Vraiment, c'est presque la même chose. Pareil, si ça peut vous aider. J'ai une question, c'est quoi la différence entre Tanjobi ou Kinenbi? J'en ai aucune idée, Yanisan. Kinenbi, je le vois presque jamais. Donc je dirais que Tanjobi c'est genre le jour d'anniversaire plutôt pour l'expression, alors que Ninenbi c'est peut-être un terme plus officiel, mais ce ne sont que des suppositions, je sais pas du tout. Pour tes problèmes de souris, ça serait pas les piles? Bah c'est pas filaire, donc c'est peut-être les piles, il faudrait que je regarde pour les changer, parce que ça se reconnecte puis ça se redéconnecte, et ou alors vraiment ça va un peu de latence, vous voyez. Mais je vais regarder les piles, c'est peut-être ça. Arigatone, Sotnisan. Ah, arigato, Judai. C'est un jour d'hommage à un événement passé, un jour de mémoire. Tiens. Oboite oku. Ne. Donc voilà pour le ta. Si à un moment donné vous avez des questions sur certains katakana, n'hésitez pas. Hein. On est sur Twitch, il faut profiter de pouvoir vous poser autant de questions que vous le souhaitez. Du coup, on continue. Après le ta, on a le ti. Ti. Et celui-là, pareil, il est en trois traits. On commence avec le trait en haut, en diagonale, puis le trait horizontal. Et enfin, on va diviser tout ça avec un trait qui va être légèrement de biais. Donc si je vous le refais, ça nous donne 1, 2, 3. Voilà, quelque chose de ce style-là.
pourquoi ne pas acheter une souris filaire? Tout simplement parce que j'ai pas assez de prise pour tout ce que j'ai à brancher entre les caméras pour le stream deck, la VR aussi que j'ai, et bien le filaire, le non-filaire, ça permet d'en économiser un, parce que du coup il est lié au clavier. Et puis pour stream, c'est plus facile, comme ça je peux bouger comme je veux. Il y a déjà tellement de fils derrière mes PC que j'ose à peine regarder. Que deux de moins, ça fait pas de mal. Chi qui ressemble du coup à Sen, hein, Chi. Et il me semble que l'origine... j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble qu'il vient de là. C'est fort probable. Donc voilà. Ta-Chi. Hop, Ta-Chi. Et ensuite, on a le dessous. Alors là, il faut faire bien attention, celui-là, parce qu'il se confond assez facilement avec le chien. Donc le dessous, on a, pour l'ordre et le sens des traits, on démarre en haut à gauche, et chacun des traits, on va dériver vers la droite, pour donner quelque chose de ce style-là, ce qui veut dire que il faut imaginer une ligne horizontale, et... comment dire, cette ligne-là, vous la commencez à gauche pour aller vers la droite. Alors que pour le chi, c'est une ligne verticale qui descend. Et pour les points de départ, 1, 2 et 3. Donc l'inclinaison et le sens des traits va vous permettre de différencier les deux. Okay. Donc c'est là où, quand on me pose la question, ou quand vous posez la question, est-ce que c'est important de savoir l'ordre et le sens des traits? Oui. Pour cela, typiquement, oui, c'est genre super important, sinon c'est différent. Sans dessiner. Donc voilà, le tsu, faites attention, c'est horizontal, alors que le chi, c'est vertical. Et l'une des techniques, c'est de se souvenir du hiragana. Hein. Le hiragana, il va dans le même sens, tsu, chi. Et en vous souvenant de ça, eh bien généralement c'est plus facile de les reconnaître et surtout de bien les écrire. Tsu, c'est horizontal. Et chi, c'est vertical. Vous suivez le même ordre, mais c'est différent. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde, cette histoire de chi et de tsu? C'est la bête noire des katakana généralement, hein, avec le so et le un. Si ça va, n'hésitez pas à me mettre des petits clap 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 dans le chat. T'as je peux desca. Titi-san, il n'y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de concurrence dans le sens où... on fait beaucoup. Je sais pas ce que t'appelles la concurrence, mais il n'y a pas de soucis en tout cas, n'hésite pas. Alors, en attendant, on avance. Moi, je vois un visage qui regarde vers le haut et vers le bas. Ah, so desene, so so so. C'est vrai, ici Japon, le katakana ressemble à un insecte. À son dessiné. Et le tsu, c'est un insecte sous la table. Naruhodo, naruhodo. C'est sur leur application qu'ils ont mis ça, Kanji Burger, ou c'est sur une vidéo qu'ils ont fait? Hop. Du coup, on continue avec le T. Donc le T, c'est plutôt facile, on est sur 1 égal. Et là, on part du deuxième trait pour faire un trait légèrement de biais. Celui-là, évidemment, vous faites attention avec chi. Hein. Chi, ça va dépasser, et ce qui n'est pas le cas ici hein, pour le T. Et en plus, le premier trait, il est incliné, ce qui n'est pas le cas de T. Mais ce sont des caractères que l'on peut facilement confondre. Donc faites attention. Ah oui, sur Candy Burger. Ok, ok, ok. N'hésitez pas, hein, au passage, Candy Burger, les moyens techniques, s'il y en a vraiment, s'il y a des caractères où vraiment ça ne rentre pas, les moyens techniques parfois peuvent vous aider. Candy Burger en ont des pas mal. Sur internet, vous en trouvez aussi des plutôt bons.
il ne faut pas hésiter à utiliser les ressources qui existent déjà. Et si vous en avez la capacité, à en inventer vous-même. C'est encore mieux même. C'est encore mieux. Mais je vous l'accorde, il y en a qui sont difficiles à imaginer de manière générale. Moi, franchement, j'ai pas eu trop de soucis avec cela. C'était plus le « coup », le « ta », le « ke » et le « nous » que j'avais du mal. « Analyse ordonnée ». Moi, ça m'a beaucoup aidé à me rappeler qui était qui entre « tsu » et « ti ». Ah, son, n'est-ce pas ? C'est « chi » plutôt, hein. « Tsu » et « chi ». Parce que « ti », c'est celui-là. C'est celui-là. Je vous le refais une dernière fois pour le « t ». Un égal avec une petite virgule. Pas de souci, Titi Sainte. Généralement, quand on l'écrira dans notre alphabet, le chi c'est avec un S et le chi c'est avec un C. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Dans la romanisation de type Hepburn, bien évidemment, celle que l'on utilise quasi en majorité en France, voire peut-être à l'international, sauf pour les Anglais. Voilà pour le T. Mince. Et enfin, le TO, comme dans tomato. Hop. Qui sera du coup en deux traits, celui-là. On commence par le trait vertical et on fait la petite virgule japonaise, entre guillemets. Ah, donc Lux, ouais, toi tu n'utilises pas la retranscription et burn. Tu utilises, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais celle que les Anglais utilisent, il me semble. Il faudrait que je vérifie les noms, tiens. Je n'ai jamais pensé à les retenir. Alors que je pense que ça serait pas mal utile. Moi, pour retenir shi et tsu, je pensais à shi tsu. À son dessin, hein. Après, encore une fois, je vous donne certains éléments. Et si vous en avez qui vous conviennent à vous, c'est... l'idéal. Genre vraiment, c'est plus que l'idéal même. Plus que l'idéal. Je vous remonte une dernière fois le taux. Donc du coup ici, très vertical et la petite virgule japonaise. Et ça c'est un taux. Comme dans tomato. Tomato dessiné. Et donc forcément, après cette petite ligne, on a ces dérivés. Hein, les dérivés qui donnent le son D, entre guillemets. En da, di, zu, de, do, à savoir que di et ze sont presque jamais utilisés. Ils sont là à titre indicatif, mais rares sont les mots de vocabulaire qui utilisent ces caractères-là, parce que les sons di et ze, ils seront plutôt retranscrits avec la ligne des z, vous savez, les dérivés des s. Surtout en katakana, encore plus en katakana, il me semble. Tomato ketchup. C'est que ne? Ah ok, ok, arigato ne. Attends, t'es quand même connu, c'est le ne? Je checkerai ça après. Je vérifierai ça après. Donc là, vous avez da, di, zu, de, do, en rajoutant ce que l'on appelle les ten-ten, les dakten, à droite, en haut à droite de chaque caractère de la ligne des T. Est-ce que ça va pour ceux qui apprennent pour la première fois les caractères, notamment ceux qui les ont déjà appris, pareil, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et si ça va, eh bien, à me mettre des petits clap, clap, clap dans le chat. En fait, le J de la ligne des D est jamais utilisé. C'est surtout ça. Il existe, mais en vrai, il a un peu... disparu dans les mots de vocabulaire, ils ont privilégié plutôt le J de la ligne des Z. Le Zu, lui, en hiragana, on peut encore le croiser dans la ligne des D, mais de manière générale, ça restera celui de la ligne des Z qui sera le plus utilisé aussi. Ça va pour Emma, ça va pour Lux, est-ce que ça va pour les autres ? S'il n'y a pas de questions, généralement, je considère que ça va. Mais j'insiste, hein, si vous en avez, il ne faut pas hésiter. Ou même plus tard, à venir les poser sur le serveur Discord. Voilà, il ne faut pas hésiter, comme on dit. Hop, Discord. Ok, parfait. Du coup, on continue. Ligne suivante, c'est la ligne des N. On reprend avec le na.
Na. Et là, on est sur un caractère à deux traits. Un trait horizontal et un trait vertical légèrement de biais. Et ça, c'est un A. Je le refais. 1 et 2. 1 et 2. Ça ressemble un peu à une épée. Hop. Vous connaissez mon talent en dessin. Mais du coup, faites attention parce que celui-là, on peut le confondre facilement avec un caractère qu'on verra la semaine prochaine, c'est le mais, qui lui est de biais et un peu plus court au niveau des traits. Un katana, bien joué Kikisin, très bien, très très bien. Ouais, je suis qui. Ah, sans dessiner, sans. Ah, une banana, pas mal aussi, carrément. Je la vois la banane, là je la vois, ça fait... Là, il y a la plure, et puis là, il y a la banane, et hop, il y a la plure, et hop, il y a la banane. Alors, on dirait un ange qui monte au ciel aussi, mais... Mes talents de dessinatrice. On continue. Après le na, on a le ni. Bon, la ligne des n est plutôt simple, on sent. Ni, c'est un égal. Et c'est presque la même chose que pour le kanji. Ni, qui veut dire deux. Voilà. Deux. C'est... Il y a deux traits, voilà, ni, ça veut dire deux en japonais, et c'est le même en katakana. C'est la logique que vous pouvez adapter ces deux en un, on va dire. Vous apprenez le kanji et le katakana en même temps, finalement. C'est pas exactement le même, surtout si on l'écrit dans une phrase, ça peut se voir. C'est fondamentalement pas le même caractère. C'est juste... fortement ressemblant. Il y en a un, c'est un kanji, il y en a un, c'est un katakana. Mais visuellement, ils sont très proches. Et quand vous écrivez une phrase, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, justement, avec ma directrice de mémoire, les kanas seront généralement aussi plus petits que les kanji. Rien que par ça, on voit une différence. Mais... fondamentalement, visuellement, si on ne prête pas attention aux détails, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc voilà pour le ni. On continue avec le nu. Le nu. Et donc celui-là, encore une fois, on est sur un caractère à deux traits. Hein. On commence avec un trait horizontal qui... Oh bah mince. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Attendez. On recommence. Un trait horizontal avec un angle arrondi et un trait qui va venir couper. Voilà, et ça, c'est notre nu. Je vous remontre ça. Hop. Quelque chose de ce style-là. Théoriquement, votre trait... Oh, décidément. Attendez. Hop. Votre trait, il doit être... Ils doivent s'arrêter au même endroit, plus ou moins. Et là, on a un petit espace ici, entre les deux. Je reconnais bien là les subterfuges du Japon pour se complexifier la tête. Pas forcément, pas forcément. Mais des fois, oui. D'ailleurs, j'ai un souci avec ma liste traduite, car par moment, quand je fais un test avec ta liste et ma liste ensemble, il me compte faux le ni. Je pense que je vais peut-être utiliser le kana plutôt que le kanji pour le... Ah bah voilà. Bah oui, c'est, je pense que c'est ça, Kikisan. Je pense que j'avais pas besoin de regarder pour te dire oui, c'est ça. Sans dessiner. Donc voilà. Na, ni, ne. Na, ni, ne. Et ensuite, on a le nez. Un peu plus de traits, hein, celui-là. On est sur du 4 traits. Donc on commence avec le petit trait en haut. On refait un trait... horizontal suivi d'un angle légèrement arrondi, puis on vient faire un trait vertical et un trait de biais. Et là, bon, je l'ai fait lentement, il n'est pas très beau, donc je vous le refais plus rapidement. 1, 2, 3, 4. Et ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là. Bon, là, on peut voir que sur l'image à gauche, ce trait-là est censé être peut-être un peu plus long, je ne l'ai pas fait assez long, mais ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là, en tout cas. Là, j'y vois un nez.
genre j'essaye de, ça c'est genre le visage et là c'est le nez et il a des poils de nez. on peut faire hop. Il fait peur, il a un très gros nez ce monsieur, il a un très gros nez avec des très gros poils de nez. Alors, je vous le refais. 1, 2, 3, 4. Nez égale quoi en turc? Ah, sérieux? Trop bien. En mode, si tu dis nez, c'est en mode quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais sur le clavier, dans les choix, c'est pas toujours facile de savoir lequel est le kana et lequel est le kanji. Alors, normalement, c'est marqué à côté. Il te met soit le premier caractère des kanji de kana, soit le kan de kanji. Mais il faut connaître ces caractères-là pour savoir les différencier, du coup. On est à la Picasso. C'est Cyrano de Bergerac, mais carrément. Bon, voilà, le nez, vous pouvez le tracer. Et donc ensuite, on a pour finir le no. Un seul petit trait, légèrement de biais, qui démarre du haut. Hop, voilà, ça c'est no. Plutôt facile, celui-là. Généralement, vous allez vite à le tracer. Mais non, le nez de Cléopâtre, mais enfin... Il était gros, le nez de Cléopâtre. Il y avait des poils dans son nez. C'est une virgule, c'est ça. Ah, bye bye, Johanna. Merci d'être passée. Je te souhaite une très bonne soirée et j'espère qu'on te reverra sur d'autres lives. Pareil, pour ceux qui viennent d'arriver... Je live le lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30 à chaque fois. À partir de mai, il y aura une émission qui sera lancée, mais vous avez encore le temps. Et j'en profite, hein. Cette émission-là, je l'ai annoncée du coup tout simplement samedi pendant le live anniversaire. Et il y a un sondage dans le salon annonce pour choisir l'horaire, vendredi soir ou samedi soir. Donc n'hésitez pas à y participer si l'émission vous intéresse. Et je vous donnerai plein d'informations en temps voulu. Je suis en train de finaliser tout ça pour en faire la publication sur les réseaux. Voilà. Bon, petit aparté du coup. Hein. Est-ce que ça va pour tout le monde cette ligne? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Donc là, on a déjà vu les deux premières lignes. Hein. Il ne nous en reste plus qu'une. La ligne des H et ses dérivés. Est-ce que ça va pour tout le monde? À ARS, je crois que dans les émotes de follow, t'as les clap clap. Si tu veux, tu peux aussi utiliser les émotes, comme tu veux, bien évidemment. Mais je le dis à titre indicatif, des fois on pense pas aux émotes de follow qui sont offertes gratuitement. J'ai pas parlé, j'étais en voiture, mais j'ai écouté, super ambiance, ça donne envie, la bise. Ah bon bah super, moi je suis contente du coup. La bise à toi également. Et puis ben, à la prochaine. Bon, bonne soirée à toi, bonne soirée. Naruhodo, naruhodo, c'est pour ça, c'est pour ça. J'ai rien dit. On oublie. Oh, so desu ne. Bon, ça a l'air d'aller, du coup, on continue. Dernière ligne, c'est la ligne des H. Hein. Et on va commencer avec le ha. Et le ha, eh ben, c'est comme pour 8, hein, qui se dit hachi. C'est deux traits, deux biais, ça ressemble à, je sais pas, le toit d'une maison ou quelque chose de ce style-là. Voilà, et ça c'est ha en katakana. Ha dessiné. Ha, 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 ha. Là, j'ai pas trop de moyens techniques à vous donner. Généralement, il pose pas trop de problèmes celui-là. Et il est plutôt rapide à écrire également. Ah, j'allais dire, ma caméra ne fait pas la mise au point. Et d'ailleurs, ça vient du caractère 8 en chinois, les traits sont orientés dans le sens inverse. Ah, so desu ka ? J'ai jamais fait de chinois, moi, du coup. J'ai fait un peu de coréen quand j'étais au Japon, mais j'ai jamais fait de chinois. Et bah merci de nous apporter cette petite connaissance. C'est toujours ça de prix. Moi, j'aime beaucoup ce petit bonus. Bon, je pense qu'on peut passer au suivant. Le suivant, c'est hi. Et celui-là, encore une fois, on est sur un caractère à deux traits. On va commencer avec le trait horizontal. Donc, il faut faire attention.
Et ensuite, on va faire le trait vertical qui est légèrement arrondi. Je vais le refaire là parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. 1 et 2. Bon, théoriquement, le trait est censé être un petit peu plus légèrement plus loin que le premier. Hop. Et nous donner quelque chose de ce style-là. Voilà. Mais pas de soucis, ça me fait plaisir. Par contre, le live de demain, c'est un live de cours ou de test. Comme tu avais dit que tu essayerais de faire des live tests régulièrement, ça sera un cours de test uniquement. On fera que du Quizlet sur les deux leçons. Donc on fera peut-être deux de chaque ou quatre de chaque. Mais demain, c'est du test sur la leçon 1, partie 1 et partie 2, du coup. Et je pense qu'on fera un test à chaque fois qu'on aura vu, 8 et 8, 16 candies. Tous les 16 candies, on fait un test. Toutes les leçons, on fait un test. Donc voilà pour le si je l'ai fait tout petit. Oui, tout petit. Ah, coucou Shania, comment tu vas? Genki? Ok, parfait, faut que je révise bien mes kanji. Alors, de toute façon, je vais faire une annonce ce soir. Hein. Je vais dire, oubliez pas demain, c'est test de kanji. Je vais vous redonner un PDF à tous pour les tracer si vous le souhaitez. Mais voilà. Comme tous les kana viennent du chinois, en tant que sinophile, j'ai regardé. J'allais dire, du coup, Aeras, tu as fait combien d'années de chinois, du coup? Ah, coucou Zenatitude, comment tu vas? Bonsoir à vous, Candy Sensei, et bonsoir le chat. Le vouvoiement, il va rester, non. Merci beaucoup Valkevla pour ton follow je t'ai connecté. Arigato gozaimasu, konnichiwa, yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à prendre possession de ce chat et à nous dire d'où tu viens. Ça tombe bien, demain j'étais pas sûre d'être présent, j'ai moins de scrupules. Ah, gambate Kalinos, gambate. Le planning apparaît dans le planning, généralement, quelques jours. Oui, en fait, si vous voulez, moi, je fais maintenant plutôt les événements. Et ici, sur le live tut, il y a la commande planning, où on peut avoir le détail du contenu, on va dire, des streams. À 2 ans de chinois, oh, super! Ça va, t'as encore des bases? Ça va bien, merci. Et toi, Sensei? Bon, ça va. Aujourd'hui, j'ai extrêmement bien bossé, soit dit au passage. Ma to-do list était... Je vous montre ça, hein, mais... Ça, c'est ma to-do list. Et ça, c'est que la to-do list d'aujourd'hui. Et presque tout est barré. Il me reste juste à réviser mon JLPT et à upload la vidéo après le live sur YouTube en vous donnant le diapo. Et j'aurais fait une grosse journée super productive. Donc, ça va très bien, du coup, pour répondre à ta question. On passe à la suite. On a le fou. Fou. Alors celui-là, un seul trait. Voilà. Quelque chose de ce style-là. Fou. Je vais très bien, merci. Et vous, eh bien, ça va. Un bon petit début de semaine, comme on dit. Bien sûr, je continue. Je fais partie de... je vais partir en LEA anglais-chinois l'année prochaine, en espérant être prise en LEA anglais-chinois plus une autre langue asiatique. Je croise les doigts pour toi, Aira Sesan. J'espère que tu auras de la place. Mais c'est trop bien, hein. Bah, forcément, moi je suis dans les langues, donc je comprends l'intérêt et l'envie d'apprendre des langues, surtout si elles sont asiatiques. Moi c'est le japonais, mais j'espère que tu pourras progresser et apprendre comme tu veux le chinois et l'anglais. T'as les résultats quand, du coup? En juillet? En août? Je sais plus. En plus, on peut prendre une autre langue en unité libre. Ah, et tu seras dans quelle université, si c'est pas trop indiscret? Les katakana ne sont pas évidents, car il y a beaucoup qui se ressemblent. Ouais, les faux amis, il y en a pas mal hein, chez les katakana. C'est pour ça. Des petits streams comme ça, sauvages, de révision des kana, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Convocation pour l'oral entre le 5 mai et le 11 mai. Ah, tiens, solo-solo-né. C'est dans pas si longtemps que ça, du coup. Langue, généralement, pas mon point fort. J'ai plus un cerveau de mathématicien. Alors, Lux, je viens d'un bac S. Je suis une scientifique dans l'âme pure. Et pourtant, je suis maintenant enseignante de langue. Ça ne veut rien dire.
Comment on fait pour aller sur le serveur Discord du cours? Du cours? Qu'est-ce que tu entends, Dave, par du cours? Alors j'en profite, hein. On continue la ligne avec le hé, là encore une fois, un seul trait. Hé, voilà. C'est au Havre. Vous deviez en entendre parler sur le Discord. Ah, soka. Je suis à grosse goutte quand je dois m'y mettre. Ah, mais t'inquiète pas, fais-le avec nous. Salut à tous, je viens de Seine-et-Marne et j'ai commencé à apprendre le japonais. Les kana, ok, mais kanji, je sèche. Alors, eh bien déjà, félicitations pour avoir appris avec succès les kana. Et pour les kanji, il y a un live tous les mardis à 18h qui, je pense, sera super utile. j'ai mal écrit. Ah, daijoubu. Coucou Funès-san, comment tu vas? Ça veut rien dire, tout le monde parle, même les non-mateux. Mais oui, c'est ça, hein. Ah, coucou Lucas-san, Steph Lucas-san. Genki desu ka? Oui, je me doute que tu parles du serveur, mais je vois pas ce que tu cherches, Dave. Ne lis pas les 300 messages de retard. Mais... Je peux pas tout lire, non, je suis désolée. Surtout quand je vous fais des explications à côté. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, ça va super. Ça va super. Bon, je pense que je voulais laisser en rattrapant un petit peu les messages le temps qu'il fallait pour le hé. Et on finit avec le ho. Celui-là, il y a un peu plus de traits, mais ça va, on est sur 4 traits. On commence par une sorte de croix. Hein. Trait horizontal, trait vertical avec un hané, ça faisait longtemps. Et le ha en katakana, ici que l'on retrouve. Qui est presque identique. Moi, je vais pas spécialement... j'ai pas spécialement de matière préférée. J'aime faire tout. Et j'avais toujours eu des facilités à l'école, car j'ai une très bonne mémoire auditive. Mais la seule matière où j'étais nulle, c'était le sport. Ah, sans nez. Encore le nez. Moi, je fais partie de ces types d'élèves qui sont moyens partout. Voilà, je suis pas excellente en SVT. J'étais très... Ça dit quand même SVT et musique, j'étais pas mal. Mais de manière générale, j'étais toujours dans la moyenne, tout le temps. Donc, c'est bien comme... c'est pas bien, Yael. Voilà, pour et contre. Qu'est-ce que j'ai lu? Ah, vous m'embêtez! Je ne vais pas tout lire, je suis désolée! Kardi Sensei, puis-je me permettre de vous dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, j'ai peur un petit peu. J'aime bien ton énergie, j'essaierai de te suivre assidûment, mais avec plaisir, Valessan! Si je peux me permettre d'abréger ton surnom, tu es le bienvenu, tu es parmi nous maintenant. Je vois le visage d'un vieux un peu Père Noël. Oui, exactement. Bon, par exemple, maths, j'avais 80 sur 100 de moyenne sans étudier. Oh, GG. J'ai toujours eu d'énormes facilités aussi, sauf en sport ces dernières années. L'asthme, oupsi, PTTR. Ah, j'avoue que là, tu peux rire, c'était de l'asthme. Bah, voilà, c'est la nature, elle t'a dit, bah non. Le sport, ça sera plus pour toi. Pien, Aela-san. Et donc du coup, avec tout ça, on a fini notre troisième ligne. Et forcément, avec les H, on a deux dérivés. On a les dérivés en B, encore une fois, en rajoutant les petits ten-ten et dak-ten en haut à droite des caractères en H, ce qui nous donne ba-bi-bu-be-bo. Ba-bi-bu-be-bo. Et on a également en P, cette fois-ci, on ne mettra pas des ten-ten, mais on mettra un maru, un rond, un handakuten, au même endroit, en haut à droite. Et cette fois-ci, on obtient papi-pou-pé-po, papi-pou-pé-po. Très joyeux anniversaire à vous et votre mari pour les 2 ans de votre chaîne. Alors, Gosto n'est pas mon mari. On n'est pas mariés, mais c'est très gentil. Sa attitude, c'est très 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 gentil. Ah oui, le tableau blanc, pardon. Merci, j'avais pas vu. Donc je vous remontre. On recommence en B. Vous rajoutez des petits ten-ten, des dak-ten. Ça vous donne une ligne en B, hein. Ba, bi, bu, be, bo, au son, au caractère qui vient de la ligne des H. Et si vous faites la même chose, mais avec un petit maru, ou handakuten,
Eh bien, on aura papi poupépo, papi poupépo et babi boubébo. Je compatis même si j'ai pas d'asthme, car j'ai aussi des problèmes de santé qui compliquent le sport. Ah, combattez tout le monde. Combattez, combattez. Des guillemets et un donut. Parfait. N'hésite pas à la taguer pour qu'elle... Oui, c'est ça. Il faut pas hésiter à faire un arrobase à pronom japonais si j'oublie de retirer des choses ou s'il y a une question super importante. Je sais pas ce que les autres streamers en pensent, mais moi, au contraire, ça me permet de bien voir un message qui est jugé important. N'hésitez pas. Voilà, moi, je vous sanctionnerai pas pour me tag dans le chat. Ça fait tellement le cliché des intellos partout sauf en sport, je trouve. Moi, on dirait pas, j'ai pas un physique qui laisse croire que je suis forte en sport, mais je me débrouillais partout. J'étais pas excellente, encore une fois, mais j'ai toujours fait plein de sports. Et du coup, j'avais toujours des bonnes notes, notamment au badminton et au ping-pong. La piquette à tout le monde. Je suis très bonne gardienne, ça m'a valu 2 mois d'attel quand j'étais au collège, mais... En soi, j'ai de très bons réflexes, du coup, j'étais une très bonne gardienne. Et j'aime beaucoup la natation aussi. Je fais beaucoup d'années de natation. Encore une fois, ça se voit pas, mais... En soi, je fais beaucoup de sport. Ou j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais collège, lycée. Et là, on est plutôt... on va à la salle avec Costo. On va faire les muscles, on va faire le cardio, et tout et tout. Et là, on va se remettre à la piscine, là. C'est bientôt... ça commence à être les beaux jours, du coup. Ça va être cool. Moi, j'étais dispensée de sport, donc je peux pas dire. Je vois typiquement l'élève qui est là en mode « Désolée, moi, je peux pas. » Bon, bah, go faire les devoirs pendant les cours de sport. La natation, c'est le seul sport où je suis bon. En plus, j'adore nager. Genre, moi, je suis vraiment un poisson. L'eau, c'est trop mon élément. J'adore ça. Et ouais, fantôme, par contre, c'est pas nager. Du coup, on va à la piscine pour se noyer. Oh, le sport, une vraie histoire d'amour depuis que je suis petite. 10 ans de foot, 5 ans de natation. Oh, c'est gay. Et 3 ans d'aïkido. Et ma qui nage trop mal. Tu fais partie de ceux qui coulent comme fantôme. Il y a un billet qui t'attend chez moi. Un billet ? Et Doyumi, qu'est-ce qui tu as ? Je veux faire du tennis, mais madame a pas envie parce que je suis pas aussi bon qu'elle. Désolée de pas vouloir mettre de l'argent pour m'ennuyer. Ou pour tout le temps aller ramasser la balle. Pourtant, la mer du Nord, ça caille. Ouais, mais la piscine, c'est cool. Moi aussi, j'ai joué au ping-pong. J'étais super fort. À chaque match que je jouais, je terminais toujours deuxième. Ah, GG. Moi, ça me faisait rire parce que j'étais l'une des seules filles qui pouvait plus ou moins rivaliser avec certains mecs. Genre, je pense que c'était comme ça aussi dans votre lycée ou votre collège. Mais souvent, les filles, elles étaient en bas du classement et les garçons, ils étaient un peu plus forts et toujours dans les premiers. Et moi, j'arrivais à battre déjà des garçons. Et en plus, à rivaliser notamment au ping-pong et au badminton avec les meilleurs garçons de la classe. Et c'était genre ma petite fierté d'être la seule meuf de la classe dans le top 10, on va dire, sur 30 élèves. Et j'étais là en mode, eh ouais les gars, moi, je suis pas comme vous. Moi, j'essaye de les battre, les mecs. Oui, bon, fantôme, c'est à voir. J'ai des souvenirs de cours de tennis avec mes parents, mon père et mon frère. À quoi un cours de sport? Oh non, pas en stream. Un cours de Just Dance, à la limite, ou un cours de Beat Saber, mais pas de sport. Ça date d'il y a 2 ans. Oui, mais depuis 2 ans, t'as pas fait de tennis. Je t'embête, fantôme, je t'embête. Bon, sur ce, est-ce que ça va pour cette petite ligne, ces 3 petites lignes? Je sais pas, j'écris, j'étais distrait. Si quelqu'un a donné une astuce pour ne pas confondre le pas et les autres pi-pou-pé-po et le bas, bi-bou-bé-po, sur le pas, je vois un point, donc pas, point. Bah voilà, la ligne des P, t'as un point. Je pense que c'est la meilleure astuce que l'on peut avoir, hein. Les P comme un point et ça fonctionne plutôt pas mal normalement. T'as déjà du mal à te souvenir de mes horaires? Alors non, c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'ai trop de choses à retenir, y compris les horaires qui passent après. Ah, tu crois, Lux? Ah, tu crois? Ah bah ça, je crois pas. On l'attend, le Beat Saber, depuis le temps que tu en parles. Ouais, je sais, mais j'ai pas la place ni le matos pour stream correctement du Beat Saber, c'est ça le souci. J'aimerais bien faire ça classe et tout,
Et il faudrait que je puisse voir pour que vous, la vue que vous ayez, elle soit pas vomitive. Vous voyez ce que je veux dire? le point ressemble à la boucle du P. Tu risques d'avoir une rivale. Ah mais, moi je fais des méga stars. Vraiment, je dis ça, je dis rien, mais je dance. You know the dance. Je vais arrêter là parce que je pars dans mon délire. C'est la meilleure moyen mémotechnique pour retenir la ligne des P. Qu'est-ce que t'as mis? Poupi poupi pou. Poupi poupi pou. Tout le monde a la rêve, bien évidemment. Tout le monde a la rêve. Voilà, je faisais partie de l'équipe qui matait les gars au volet. Ah bah voilà. Bah voilà, je me doute. T'inquiète, j'étais là, j'étais vengé toutes les meufs qui se faisaient ratatiner par les mecs. Je vous ai vengé. Nombre d'années au collège et au lycée. T'inquiète pas, Lux. Prochaine convention, il y a un jeu dance. On se met tous les deux devant et petite battle. Il n'y a pas de souci. Salut, je suis nouveau. Comment est-ce que ça marche? Coucou à toi, Kia Tero-san. Bienvenue. Alors, sur cette chaîne... et ça permettra de faire une petite pause pour ceux qui en ont besoin. Je donne des cours gratuitement pour les débutants de manière générale. Le lundi c'est les kana, le mardi c'est les kanji, le mercredi c'est la grammaire et le jeudi on fait de la révision JLPT 5. Est-ce que tu as déjà des bases en japonais ou pas, Kia Tero-san? Tu crois que je peux redemander un VIP? Tu peux le faire et le donner à quelqu'un? Je sais pas. Faudrait que je trouve une récompense encore au-dessus. Je sais pas quoi, mais une récompense encore au-dessus du VIP, je sais pas ce qui pourrait se faire. Pas vraiment. Donc ce qui veut dire que la première chose que tu dois te fixer, le premier objectif que tu dois te fixer, c'est d'apprendre ce que l'on appelle les kana. Et pour ça, alors bah, tu as plusieurs solutions, soit suivre les cours du lundi, c'est ce qu'on est en train de faire, soit regarder les replays, ce que je t'encourage à faire parce que généralement la première chose qu'il faut apprendre c'est ce qu'on appelle les hiragana. Et sur la chaîne YouTube du coup il y a les 5 replays des cours en lien avec les hiragana. Donc si tu veux commencer l'apprentissage japonais, les replays sont là pour ça. Et nous, de manière générale, on fait des cours tous les lundis sur les kana. Là, on est dans une phase katakana, mais d'ici 4 leçons, on refera les hiragana. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui vous permettra à chaque fois de bien réviser tout ça. Et je le dis quand même, hein, je suis un peu là pour ça aussi. J'ai écrit un petit bouquin, ma foi, fort sympathique, qui permet de retenir plus facilement ces kana, de manière générale, où j'ai mis l'accent sur la pratique, l'écriture, la lecture aussi, et pas uniquement des caractères, mais aussi à travers des mots de vocabulaire. Donc vraiment, t'as un manuel qui s'offre à toi, très complet, sans vouloir mettre ce manuel sur un piédestal, mais c'est vrai. En toute objectivité, la plupart des gens sur le chat qui l'ont peuvent en témoigner. Si tu as du mal à les apprendre, alors ce bouquin peut peut-être t'aider. Héritier en japonais au pire. Et de quoi? Nani nani. Merci beaucoup, Osama, pour le follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Konbanwa. Moi, les cours de sport, je donnais toujours mon maximum, mais c'était toujours le plus nul, sauf à la natation. D'ailleurs, en examen de fin d'année, on avait un aquathlon, et j'ai tout donné sur la partie natation pour prendre de l'avance et enfin avoir plus de temps pour la course à pied. Et ja, Ine Kiki-san, je sais ce que vous pouvez faire pour remplacer le VIP, Kandi. Alors, c'est pas forcément le remplacer, mais c'est faire un truc encore mieux. Dis-moi, Zen Attitude. Juste une petite info, kana égale hiragana et katakana, c'est ça. Exactement. Kana, c'est le premier système. Et les kanji, c'est l'autre système. C'est ça. C'est pas opposé, c'est différent. Et du coup, j'ai répété exactement ce qu'a dit Aera. Du coup, tu as très bien dit ça. J'aurais pu m'abstenir. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Je pense qu'on peut continuer. Et cette fois-ci, ça va être à vous de jouer dans le chat. Vous allez avoir un mot qui va être écrit en katakana. D'accord? Trop de synchro, mais exactement, exactement. Et le but, ça va être tout simplement de d'écrire dans notre alphabet, donc en lo, on m'a dit, la lecture de ces mots. Et on va commencer avec un exemple ici. Hein. Est-ce que vous seriez capable de
d'écrire dans notre alphabet ce mot, de le lire. Et s'il y a un caractère que vous ne connaissez pas, sachez que vous pouvez mettre une croix ou un X. Comme ça, vous mettez uniquement ce que vous connaissez pour le moment. Et là, je le dis parce qu'on ne l'a pas revu, un trait, comme vous voyez ici, c'est l'équivalent de l'allongement d'une voyelle. Donc, c'est un accent circonflexe ou un macron sur votre voyelle, d'accord ? On le verra dans deux cours, mais évidemment, pour ceux qui veulent essayer de le faire, je donne l'information si vous ne l'aviez pas encore vu. Il faudrait simplement que vous mettiez le gna gna gna, car avant pays, il y a le pas. J'ai pas compris, une attitude avec les petits points. Du coup, il y a un gna gna. Merci beaucoup, Mama Yu, pour ton follow. Follow, je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Kono chan de yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, à titre d'exemple, celui-là, très bien tout le monde, il se dira supotsu avec un O allongé. Supotsu. On les a tous vus hein, aujourd'hui et la semaine dernière. Supotsu qui veut dire le sport. Très bien, Kiki-san. Supotsu. Le suivant. Ah oui, mais le souci c'est qu'il n'y a pas de badge, genre, il n'y a pas un autre badge. C'est ça le problème. Oui, oh, ça m'a exactement, c'est des cours pour les débutants. Sur la chaîne, en tout cas, on ne fait que des choses JLPT5, voire JLPT4 parfois sur certaines notions. J'imagine que tu as déjà des bases en japonais, oh, Osama. Qu'est-ce que tu connais pour le moment? Et donc, encore une fois ici, hein, pour tout le monde, ici on a un allongement de la première syllabe. Je laisse un peu de temps pour ceux qui veulent pratiquer. Et donc, ici, il sera bolu. Bolu avec un allongement du haut. Et ce sont bah, des balles. Bolu. Bolu, de manière générale. Merci beaucoup, Paul, je suis. Bah, j'imagine que tu es Paul. Bienvenue sur cette chaîne, follow, je t'ai coulé, arigato gozaimasu. Je me placerai fin N5, début N4. Ah oui, donc ça va. Donc il y a pas mal de ces cours qui te seront utiles peut-être pour de la révision plutôt. Et je pense que c'est le cours du jeudi surtout qui te serait très utile parce que l'on fait des révisions JLPT5, des tests JLPT5. Peut-être que ça te sera pratique pour réviser, peut-être. Ou poser ta question si tu en as. Comment tu vas, Paul? Ah, ok Zen, désolé. Je viens de comprendre ta blague. Elle est très bien, je suis juste très nulle. Bien, bien, et vous? Alors, bah, je vais très bien, et tu peux me tutoyer, bien évidemment. On est sur Twitch, hein. Je suis trop jeune pour être vous voyez, s'il vous plaît. Et très bien tout le monde, en effet ici ce sera tennis. Tennis, plutôt facile, hein, le tennis. Le suivant. Encore une fois ici on a un allongement. Et c'est un carrière qu'on verra la semaine prochaine celui-là. Mais il y en a peut-être qui le connaissent déjà parmi vous. Ah, vous dans le sens de tout le monde. C'est vrai, j'oublie qu'on peut s'adresser au chat, je suis désolée. C'est l'habitude de dire qu'il ne faut pas me voyer. Sans dessiner Osama, jeudi à 18h30, pratique du JLPT5. Très bien tout le monde. Lulu, avec un allongement du U, hein. Les règles. Lulu, lulu. Sports no lulu, tu connais. Lulu. Le suivant. Alors là, pareil, on l'a pas encore vu cette règle, mais c'est la même règle que pour les hiragana. On a affaire à un petit, à une consonne double ici. Voilà, ça c'est la consonne double, même règle que pour les hiragana, mais en version katakana. C'est Dr. Stone, ça? Qu'est-ce qui est Dr. Stone? Alors celui-là on confond assez souvent, faites attention.
Très bien, Yuki-san. Très très bien. Donc là, on n'a pas vu les règles. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore travaillé, pas de panique. Hein. C'est Saka, avec un allongement du A et une consonne double. Donc pour la lecture, hein, ceux qui ne le savent pas encore, Saka, vous faites une pause. Ka, Saka, Saka. Ça, c'est le football. Le foot. Saka. Ah, Naruhodo, Naruhodo. Les règles sont les règles. Desione. Tashkani, Tashkani. On continue. Et donc, en fait, si tu veux, Lux, c'est Tsu. Sauf que là, il est un peu plus petit que les autres. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'en fait, il va doubler la consonne de la syllabe qui suit. Et donc, K, on aura un double K dans notre alphabet, hein, en Romaji. C'est exactement l'origine du mot pour le je suis, du coup. Ça vient de Saka, en anglais, exactement. Je sais pas pourquoi, mais je me sens nostalgique, ça me rappelle mes tout premiers cours. Ça fait combien de temps que t'as commencé le japonais, Osama? Celui-là, plutôt facile. On a vu aussi aujourd'hui, on a déjà vu les caractères. Suki. Suki, avec un allongement du I pour le ski. Voilà, plutôt facile à deviner, je pense. Suki. On continue? Ah non, avec beaucoup de pauses. Ah, mais du coup, si t'arrives à la fin du N5, GG, hein. Kana plus N5 en un an, c'est du beau boulot, ça. Et en plus, avec des pauses. Respect. Franchement, GG, Osama. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit sport, dites-moi. Là, c'est là où on est content d'avoir des mots en katakana, hein, pour apprendre du vocabulaire plus facilement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Rugby. Là, et là, faites attention, Lux, tu te fais avoir sur quelque chose qui se fait... qui se confond souvent. Je te l'accorde. Là, qu'on n'a pas encore travaillé, qu'on verra la semaine prochaine. Rugby. Rugby. Le rugby. Très bien. Alors lui, il est un peu long. Je vous laisse un peu plus de temps. Je vais boire un coup, tant qu'à faire. Sone a Aera-san. Donc là, on a encore une consonne double et un allongement. Vraiment, je vous ai pas épargné. Demo, gambatte, minasan, gambatte, gambare, gambare, gambare. Ine. Ah, ine, Dave-san, ine, minasan. So desu ne. Basketto, ball. Basketto, ball. Oh, je dois aller manger, à plus. Eh bien, écoute, merci d'être passé, Aera, Suzanne, et puis j'espère que je te reverrai dans un autre cours. N'hésite pas, en tout cas, tu es le bienvenu. Et otsukare-sama pour le travail d'aujourd'hui. Et jatsugi. Et bon appétit, bien évidemment. Quel est ce sport? どうですか? C'est très bien tout le monde, très très bien. Ici, en effet, on aura Balleyball, balleyball, volleyball, hein. Balleyball, qu'on verra la semaine prochaine, ball, avec deux allongements. Très bien. Jatsugiva.
Je trouve ça bien le système de croix dès qu'on ne connaît pas le kana. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il y en a qui débutent, du coup, ça permet quand même de participer un petit peu en se disant, ben, je sais une partie déjà. Mais du coup, je suis contente que tu apprécies ça, Osama. Ine minasan, ine. En effet, badminton, badminton, desene, badminton. On a parlé justement aujourd'hui. Même si j'arrive à lire, je galère souvent à comprendre le sens. Ah ça alors Kerat, c'est une question d'habitude. À un moment donné, tu vas avoir un déclic et tu vas tout de suite réussir à switcher, à dire ah oui ok, ça doit être ça, ça doit ressembler à ça. Mais je te l'accorde, il faut s'habituer à ça. Le suivant. Badminton dessiné, badminton. Nandeska. Il y a celui du milieu qu'on n'a pas encore travaillé. Très bien, Lux. Du coup, t'as retenu celui du milieu avec les autres, à force de le voir. Iné, iné. Golf. Golf, hein, le golf. Là aussi, c'est plutôt transparent, je pense. Golf. Jatsugi wa nandeska. Il nous en reste encore 2-3 là à faire. Ça reste dans la tête. Jayokata, yokata. En vrai, c'est le but aussi, hein. De ce genre d'exercice, donc c'est très bien, ça veut dire que tu es concentré et que du coup tu travailles vraiment efficacement. Minna ojozu desu ne, maso desu ne. D'ailleurs, il y a une bonne chanson qui contient des mots anglais katakanisés. Tokyo Bon Makoto, so desu ne. Si vous ne connaissez pas cette chanson, allez tout de suite, bon, pas tout de suite, après le live, regardez. Hein. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Sonne Titi-san. So. Très bien. Surfing. Surfing. C'est le surf, hein. Surfing. Surfing, on le dit pas, mais c'est surfing. Ça vient du mot anglais. Surfing. Gambatte. Gambatte, Mina. Gambatte. On continue. Ça vient de surfing, hein, avec mon accent bien français. Surfing, surfing, c'est pas une bonne prononciation, désolée. Iné kayai, kayaji-san ne. Soyez bon, daijoubu desu ne, celui-là aussi, hein, il est plutôt... facile à comprendre quand on a réussi à le lire. Snowboard. Snowboard. Je dois aller manger. Bye. Merci pour ce coup. Mais merci à toi, comme d'habitude, Emma, d'être présente. Et puis, bah, bon appétit à toi et bonne soirée. Otsukare-sama. Ne. Otsukare-sama. On continue. L'avant-dernier. Qu'est-ce que c'est celui-là? Nandeska. So desu ne, Kerada-san. So desu ne. So. Très bien. F1. Et pour finir, je dois vous laisser, je vais taper le. Et bien écoute, merci à toi Titi-san, je suis ravie de t'avoir vu sur ce live. Et puis bah, j'espère que l'on se recroisera sur d'autres cours. Bon appétit à toi et otsukare-sama pour aujourd'hui. Tu as très bien travaillé. Otsukare-ne.
Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est un mot qu'on voit dans Fall Guys notamment. C'est l'une des catégories du jeu Fall Guys. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Qu'est-ce que c'est ce mot? Un peu plus compliqué celui-là. C'est pour ça que je le demande. Race, c'est la course. Et comme l'a dit si bien Kayaji-san, c'est race, race, race. Ça vient de l'anglais. Eh oui, il y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais en japonais. Hein. Donc quand on a des bonnes bases en anglais, des fois ça aide pour l'apprentissage du japonais. So desu ne. Et on arrive à la fin de notre diapo pour aujourd'hui. Otsukaresama desu! Je pense que vous pouvez tous vous clapper dans le chat. Vous avez fait du très bon boulot. C'était très bien tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Daijoubu desu ka, minasan? Dou desu ka, daijoubu? Otsukaresama ne. Bon, ça a l'air d'aller. Super. Hop. Parfait. Nickel, comme on dit. Vous voyez, j'ai encore ma mèche de cheveux qui. J'avais mis une petite pince, mais elle a pas voulu rester. Tant pis. Yokatta desu ne, so desu ne. Bon, du coup, on est sur une petite fin de live. Demain. Du coup, on fait les kanji à 18h30 également. Ça sera un cours d'exercice. On va faire des tests, des tests, des tests, des tests, des tests sur les deux premières leçons que l'on a vues. Donc, s'il y en a qui viennent à peine d'arriver, ça se rattrape, pardon, plutôt facilement. Vous avez les decks Quizlet qui sont disponibles sur Discord et vous avez les replays qui sont disponibles sur YouTube. Donc il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe, à laisser un petit pouce bleu. Je ne dis pas non, je vous avoue, ça aide beaucoup pour la chaîne. Et puis, ben, je pense qu'on va pouvoir aller raid quelqu'un. Et la question habituelle, c'est est-ce que vous avez des gens gentils à me recommander? Pour aller faire un petit raid, on est une trentaine. C'est toujours de la force pour les petits streamers. Sone et Kikisan, lui, il fait en complément des decks avec la traduction des mots. Si vous voulez également travailler le mot de vocabulaire et pas juste kanji lecture ou lecture kanji, soit dessiné. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez me recommander pour le raid de ce soir? Sinon, il y a Sullivan, ça fait longtemps que je l'ai pas raid. À toi va d'aller. Y a Maeti. Alors attendez, je sais pas si vous connaissez. C'est Apaem Desene. Ah, à la limite, on peut faire Paehem. Allez, on va aller regarder. Dollars, un petit peu. Hop. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce petit cours. J'espère qu'il vous aura plu. On se voit demain à 18h30 pour ceux qui veulent travailler les kanji. Et puis, ben, on va se quitter comme d'habitude sur la petite chanson Otsukaresama qu'on aime tant. Il s'est passé un truc là, non? J'ai une notif, mais je sais pas ce que c'est. Ah! Ah, arigato Mercury pour ton follow. Follow je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Konno chan de yokoso, la chaîne. Mata ashita ne, mata ashita. Sake ga nomeru, sake ga nomeru, sake ga nomeru zo. Sake ga nomeru, nomeru zo. Sake ga nomeru zo. Santé, santé, santé. Bon allez, on se quitte sur Otsukaresama et je vous dis à demain soir. お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ tout le monde! Des bisous! Et à demain!
S'il y a des gens qui regardent le replay actuellement sur YouTube, sachez que ma souris est en train de mourir et que je ne peux pas quitter le live. Et que ça sera gardé sur le replay, bien évidemment. Donc, des bisous à tous ceux qui sont en replay sur YouTube. Allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Toujours pas. J'arrive pas. Ah, c'est pas possible. Nyan. Alors, j'arrive pas à quitter mon stream. Ça veut pas, la souris, elle veut pas. Bah, j'arrive pas à faire bouger la souris. Donc là, le replay, je suis en mode galère.